Nadège Bossan-Diagne, comédienne dans le film Podium, mais aussi présentatrice de télévision, qui a ouvert le bal des invités hier à Nîmes pour l'hommage rendu à Françoise Fabian, Une nuit sous les étoiles, pour revoir La Bûche, le film culte de Daniel Thompson. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors c'est moi qui appelle... Alors oui, je vais appeler quand même une de mes comédiennes préférées. Oh oui. J'ai eu le bonheur de travailler avec elle dans ce premier film, donc mon premier film que vous allez voir ce soir. Et c'est une grande, grande, grande actrice et c'est une femme merveilleuse, Françoise Fabian. Beaucoup d'amour et d'affection. On salue la présence, évidemment. Personnage qui aime le cinéma, qui aime Sophie, qui aime le festival, c'est mesdames Marie Marlas et Flavia Gayle, qui aiment le cinéma, mais vraiment avec un amour profond. Applaudissements pour elles, s'il vous plaît. Je dois dire que j'avais une frustration qui était surtout celle de d'écrire pour des comédiens, mais de ne jamais pouvoir avoir un accès direct à justement leur manière de jouer ce que j'avais écrit. Et je ne savais pas du tout si j'allais m'y trouver confortable et si j'allais aimer le faire. Puis j'ai eu la chance d'avoir dans ce film vraiment autour de Françoise une distribution absolument extraordinaire. Ils ont aimé le scénario, ils sont venus. Et j'ai découvert sur ce plateau que vraiment ce que j'aimais le plus à part l'écriture, c'était travailler avec les acteurs. Et ça a été, ça a été quelque chose qui m'a convaincue de recommencer. Donc, d'autres films ont suivi. Mais enfin, celui-là, il est très très cher à mon cœur parce que c'était un mélange de bonheur et de peur. Et donc, j'ai été vraiment comblée quand le film est sorti et qu'il a vraiment eu beaucoup de succès.